Et bah bonjour à tous les amis, c'est Jayana et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo réaction. Et aujourd'hui les amis, on va découvrir une nouvelle réaction. Vous allez me voir réagir à quelque chose que je n'ai jamais vu. Ça s'appelle The Amazing Digital Circus. Donc vraiment, apparemment c'est Nagri, voilà. Donc j'ai trop hâte de voir. Donc c'est l'épisode 1. Si vous voulez l'épisode 2, n'hésitez pas à mettre plein de likes, à vous abonner et à commenter la vidéo. On va commencer. J'ai trop hâte par contre. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go. Bienvenue à tous à l'incroyable cirque numérique. Je m'appelle Kane et je serai votre maître de cérémonie. Et croyez-moi, vous allez vous en décrocher à mâchoire. Votre cœur va lâcher, vous allez halluciner en voyant ce magnifique bazar. Vous n'allez pas en croire vos yeux. J'ai pas raison, la bulle. Tout à fait, Kane. Je suis impatient de voir ce que tu nous as préparé aujourd'hui. Alors, ne perdons pas plus de temps. C'est parti, que le spectacle commence. Gangles, ouvre les seekingers. Agatha, Jack et Kofnou. C'est l'un de tes PNJ ou un nouveau gogo? Parce que si c'est un nouveau personnage, on va devoir refaire toute cette intro. Je ne le referai pas. Eh ben ça alors, il semblerait qu'un nouvel humain ait pénétré ce fabuleux royaume. Comment je... retire ce casque? T'inquiète, continue juste de tirer, ça a marché pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mis un casque bizarre et maintenant je suis là. Qui êtes-vous? Pourquoi je peux pas l'enlever? Où je suis? Essayons juste de tous se calmer. Tout va bien se passer, nouvelle arrivante. Nous avons tous vécu ça. Il faut juste que tu te concentres. C'est quoi ce bordel, bon sang? Hein? Non, 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 très cher, désolé, mais ici tout propre grossier est formellement prohibé, c'est la règle. L'incroyable cirque numérique est un endroit où petits et grands peuvent s'amuser en toute tranquillité. Toi, mon ami, tu es tombé dans un monde incroyable, fait de magie, où rien n'est impossible. À part pour les jurons. Oh mon dieu. Comment je fais pour partir? Ne panique pas à ce sujet ou quoi que ce soit, mais nous ne le faisons pas exactement. Tu ne peux pas. Quoi? Tais-toi, Jax. Mais ouais, il a raison. Bienvenue dans ta nouvelle maison et ton nouveau corps. Nouvelle maison? Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde, ne soyez pas méchant. On est coincé ici depuis des années. Le vieux Kinger là-bas est censé être ici depuis le plus longtemps. Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose à propos d'une collection d'insectes? Pourquoi il est fou? Oh, d'accord! Maintenant, je comprends. C'est juste un rêve. Et je devrais juste jouer le jeu jusqu'à que je me réveille. Non? C'est comme tu veux, gamine. Ils ont cassé mon masque comique. Oh non. Alors, Kane, on a une nouvelle aventure aujourd'hui pour la nouvelle ou quoi? J'aimerais d'abord faire une petite visite des lieux à notre toute nouvelle membre ici présente. C'est parti! Ici, tu peux retrouver le chapiteau. C'est dans cet endroit que se trouvent vos chambres, ainsi que des tas d'autres activités auxquelles participer. Parmi ces activités, nous avons... une piscine à la balle, un mini-golf et bien plus encore! Je te présente le terrain de jeu. Vous pouvez vous noyer dans un lac numérique ou vous livrer à des sensations fortes dans notre fête foraine. Qu'il fasse nuit ou bien jour, et ce pour toujours, le choix vous appartient. C'est buffet à volonté. C'est vraiment tout? Bien sûr que non. Bienvenue dans le vide.
On évite de s'aventurer dans le vide, ça vaut mieux. Même moi, j'ignore ce que nous cache le vide. Ça... Personne ne quitte cet endroit. Je dois avoir au moins un de mes 100 globes oculaires qui voit tout fixé sur vous. Bonjour, Kane. Je t'aime. Allons-nous-en ici avant que la lune ne s'emballe. Attendez, c'est quoi ça? Oh, ça vomit. Reste plus qu'à passer la serpillière maintenant. Je m'en occupe, chef. C'est dégueu. Pourquoi faire ça de cette façon? Attendez, attendez. C'est une sorte de porte de sortie que je viens juste de voir à l'instant. Est-ce que c'est un moyen de partir? Quelle sortie? S'il y avait un moyen de sortir, je suis sûr qu'on serait déjà tous partis. Ouais, de quoi tu parles? Je vous assure qu'il n'y a strictement aucune porte de sortie magique ici. Tu es sûrement en train de vivre une hallucination numérique. Ton esprit passe du plan physique au plan numérique. Je te jure que j'ai vu... Hallucination numérique. J'ai une idée. Et qu'est-ce que tu dirais de changer de sujet? Comment tu t'appelles? Mon prénom? Je m'appelle... Oh mon Dieu! Pourquoi je n'arrive pas à me rappeler de mon prénom? Personne ne se souvient jamais de son nom une fois entré dans le cirque numérique. S'il y a bien une chose sur laquelle je n'ai absolument aucun contrôle, c'est bien votre esprit. La seule chose que je peux faire, c'est t'aider à trouver un nouveau prénom. Comment je m'appelle? Tu n'as pas à t'inquiéter, ne t'en fais surtout pas, petite. Laisse libre cours à ton imagination, c'est à toi de choisir. Je rappelle à présent que votre nom choisi et que vos noms ne peuvent pas enfin le contrat de licence utilisateur de ce que numérique, indiquant que votre nom ne peut pas être un contrat contrôle optionnable, le contrat 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 optionnable. Alors, tu as fait ton choix? Je m'en fiche, juste choisissez n'importe quoi. Très bien, allons voir, on voit. Que penses-tu de XDDCC? T'as raison, c'est vraiment nul, on recommence. Qu'est-ce que tu penses de Pomni? D'accord, je pense que je viens de... Exactement, t'as tout à fait raison, Jax. Une nouvelle aventure totalement orientée dite pour notre nouvel membre, Pomni s'impose. C'est vraiment ce que je viens de dire, il y a 5 minutes. Toi, tu aimes l'aventure? Les activités, réfléchir, le danger, l'horreur, la douleur, la souffrance, l'agonie, la mort, un bout de gâteau. Espèce de sale vermine. Pas vraiment. Vu que t'es nouvelle ici, qu'est-ce que tu dirais d'une petite excursion à l'intérieur du chapiteau? Comme ça, ça te permettra de voir un peu comment les choses fonctionnent ici. Quoi? Bon sang, non! Je ne veux pas d'une aventure à l'intérieur! Ne t'en fais pas, c'est pas grave, Zobel. Je vais créer quelque chose de discret. Comme ça, si tu ne veux pas participer, bah tant pis. L'aventure du jour est... Rassembler les Glowings! Vous avez bien entendu, l'entièreté du chapiteau sera infestée d'énormément de Glowings. Ce sera à vous de tous les attraper. Mais qu'est-ce que c'est? Je suis content que tu poses la question. Ce sont de petites... Et qu'est-ce qu'ils font? Elles... Ce sont de petites créatures très malicieuses qui attrapent absolument tout ce qui se trouve sur leur chemin. Pourquoi est-ce qu'elles font ça? Comment les arrêter? C'est à vous de le découvrir. Je vous souhaite bonne chance et par-dessus tout, amusez-vous bien mes superstars. Les superstars, ah ouais carrément. Qu'est-ce que tout ça signifie? Ah, c'est juste l'une des petites aventures de Kane. C'est juste quelque chose de fun à faire pour... Tu sais? Pour nous empêcher de devenir fous, tu vois. Parle pour toi. Si quelqu'un a besoin de moi, qu'il aille se faire... Oh mon Dieu, non! Oh mon Dieu! Quelqu'un, aidez-moi! Oh non, ils ont tué Zobel. Venez, on va manger quelque chose. Attendez, on devrait tous aller voir Kofmo. Je suis sûre qu'il aimerait rencontrer Pomni. Ma forteresse en peine de tremble! Tu veux venir avec nous pour voir Kofmo? Non, pas vraiment. Je crois que Kofmo est devenu fou. La dernière fois que je lui ai parlé, il n'arrêtait pas de radoter à propos d'une sortie. Un peu comme toi, Pomni. Tu risques aussi de devenir folle. Non. Mais attends, cela ne voudrait-il pas dire que la sortie existe réellement? Ça pourrait aussi signifier que tu es déjà en train de perdre la tête. Oh, eh bien, je pense que j'aimerais lui poser des questions à ce sujet. Et si tout cela était réel, ce qui n'est pas le cas, c'est un rêve. Elle croit toujours que c'est un rêve. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis d'accord pour faire n'importe quoi. Tant que je peux voir des choses drôles arriver aux gens. Bon, j'en ai déjà assez de ces trucs. Toi, moi et Pomni. On va aller voir Kofmo, ce qui laisse Pleurnichard et Hooha pour s'occuper de la situation des Zoubles.
Tu penses que les mettre ensemble, c'est une bonne idée? Bien sûr que oui. Ce sont les deux personnes les plus stables mentalement et capables de travailler. Allez les filles, allons embêter le clown. Mon masque comique est encore cassé. Kofmo, c'est un clown. Oh, Kangle, tu m'as fait sursauter. Donc c'est là que nous vivons tous, enfin là où nous dormons la nuit. Même si nous n'avons pas vraiment besoin de dormir, c'est parfois agréable de prendre une petite pause de tout et d'avoir une certaine routine, tu sais. Je suis sûre qu'il y en aura une pour... Oh, regarde, tu en as déjà une. Je ne comprends toujours pas. À propos des aventures, pourquoi y participez-vous quand même? Pourquoi n'essayez-vous donc pas de trouver un moyen de vous échapper, enfin de partir? Eh bien, nous le faisons habituellement au début, mais après un certain temps, tu commences à te rendre compte que tu ne peux vraiment pas partir et que courir constamment après un objectif inaccessible va finir par te rendre un petit peu folle et finalement tu te demandes quel est le sens de tout ça et tu perds complètement de vue qui tu es et pourquoi tu es même en vie et quand tu atteins ton point de rupture, quelque chose de vraiment terrible peut se produire. Mais ce n'est pas quelque chose dont nous devons nous occuper aujourd'hui. Avant tout, les aventures nous donnent quelque chose à faire qui garde notre esprit sain et stimulé. Tu comprends ce que je veux dire? Dieu merci, tout ça n'est qu'un rêve. Pas vrai, Pomni? Pourquoi on est là déjà? Qu'est-ce qu'on fait ici? On va chercher l'un de nos amis. Par contre, le lapin, il est trop drôle. Hein? Il est peut-être pas dans sa chambre. J'espère qu'il va bien. Ne t'inquiète pas, poupée. J'ai une clé de sa chambre. Quoi? Attends, pourquoi tu... Tu ne devrais pas avoir la clé de la chambre de quelqu'un? Ah, j'ai des clés partout et vous avez tous été cool avec ça. D'ailleurs, j'ai peut-être laissé quelque chose dans ta chambre aujourd'hui. Donc fais-moi savoir si tu le trouves. Tu n'as pas peur des mille pattes, n'est-ce pas? Jax! C'est littéralement ma seule peur, pourquoi tu fais ça? Ah, ça va, ça pourrait être une question sans rapport. Tu ne sauras jamais jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je cherchais ça. Merci de l'avoir regardé, Kofi. Je vais partir maintenant. A plus. Oh, Kofmo a été obstrué. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça pourrait être cette chose terrible dont je parlais plus tôt quand on a atteint notre point de rupture. Bon, attends, peut-être qu'il est encore temps de le réparer si on va chercher Kane. Wow, Kofmo, écoute, je sais qu'on ne s'entendait pas toujours comme quand tu m'as accusé de faire des rires forcés à tes blagues. Je te jure, je l'ai trouvé vraiment drôle, c'est juste que j'étais dans mes mauvais jours. Je ne sais pas ce que je regarde. On a vu un clown qui portait une pièce de Zobel là-bas. Tu te souviens? Oh oui, merci pour le récap. Bon, on n'est pas très doué pour ça, hein? Salut les mecs. Jax! On a trouvé le trou des Zobel. Cool. Comment va Kofmo? J'espère qu'il n'est toujours pas fâché contre moi de ne pas rire à mes blagues. Oh, eh bien, il va super bien. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vu aussi heureux. Oh, eh bien, c'est bien de savoir qu'il n'a pas complètement perdu la tête. Et il m'a même demandé de te donner ça. Oh!
Une collection d'insectes? Je pense que c'est un nid. Y a quelqu'un? Ragata? Tu t'appelles comme ça, hein? Easy! Oula. Hey, écoute, je ne voulais pas te laisser comme ça. Je voulais... Regarde ma main! Je ne savais pas quoi faire. Ça va! Ce que tu dois faire maintenant, c'est trouver Gay! Il pourra me réparer et s'occuper de Cosmo! Ok, d'accord, mais où est-ce que je peux le trouver? Je ne sais pas vraiment, cherche un peu et appelle-le, j'imagine. D'accord, je vais le chercher, tu restes là. Pas que tu puisses vraiment bouger ou quoi que ce soit d'autre. Accroche-toi, je reviens tout de suite, promis. Cool. Oh, si, Pomni, je suis désolée que la première journée ici et a été si terrible. Ouais, ne t'en fais pas. Je vais aller chercher Kane maintenant. Tout de suite. Eh oh, Kane, on a un petit problème ici. Oh non. Kane? Ah, quelle forme de masse non-gloïkinienne ose prétendre être présent dans le nid de la reine Gloïnk? Oh, c'est toi! T'aurais pu me demander mon consentement quand même avant de me forcer à avoir quelque chose d'aussi répugnant et dégoûtant. Oh, quelle honte, un lapin violet qui ose ouvrir sa bouche en présence de moi, une figure royale! Eh bien, en tant que figure royale moi-même, je voudrais te demander gentiment si... Oh, regardez, il y a Zubel. Salut, Zubel. Oh, aidez-moi, bande d'idiots! Un peu impoli, Zubel. Maintenant, j'ai la flemme de t'aider. Oh, je perds toujours! Yes! Je t'ai eu! Oh! Ah, Kinger, espèce de fils de... Ça va aller pour lui. Il y a pas mal de gros mots là. Me cacher! Vous êtes qu'une bande d'imbéciles, pas un pour attraper l'autre. Ne vous rendez pas compte que tout doit être Gloïnz? Je suis Gloïnz. Vous serez Gloïnz. Dieu doit être Gloïnz.
C'est stupide et bizarre. Mais tu continues quand même. Bon, déjà de base, je suis pas là pour l'aventure. Je suis juste là pour me cacher de... Oui. Oh, Dieu merci, tu vas bien. Tu n'as pas participé à une émission de télé-réalité là-dedans, si? De quoi tu parles? Ça, c'est juste Kofmo, ne t'inquiète pas. Non, il va bien. Oh, tu as raison, comment va-t-on sortir d'ici? Les gars, là-bas. Ah! Les dames d'abord. Non, attends, pourquoi j'ai dit ça? Attendez, Pomni n'est même pas là? C'était pas pour elle tout quoi? Ça je n'entends même pas l'escalator là. Oh, Baba, tu sais toujours comment me faire dire cette exacte phrase. Oh non, une alerte sur ma montre farfelue à cette heure-ci. Oh non, quelqu'un s'aventure dans le néant. Ils vont tous se faire spoiler. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh ouais, c'est moi qui l'ai fait. Oh, Cain, Kofmo a subi une Kofmos ici, il s'est obstrué. Kofmo s'est obstrué? Pourquoi personne ne me l'a dit? Et hop, dans la cave tu vas. Eh ben, je n'arrive toujours pas à croire que Kofmo est abandonné comme ça. Je veux dire, sans t'offenser, Kinger, mais j'ai toujours pensé que tu serais le prochain. Oh, merci. Merci, mais j'imagine que ça montre juste à quel point on peut pas compter sur Kinger. J'ai tellement mal. Et voilà. Je dois m'excuser d'avoir menti à propos de la sortie. Je savais à quel point vous vouliez qu'il y en ait une, mais bon... J'avais tellement de mal à trouver quoi mettre de l'autre côté. Et je n'ai jamais réussi à la finir complètement. Et vous savez à quel point je n'aime pas laisser les gens voir mes travaux inachevés. Surtout s'ils vous mènent dans le néant. Enfin, il semblerait que vous ayez vaincu la reine Glonk, donc je suppose que l'aventure est terminée. Votre récompense est un délicieux festin numérique. Cuisiné par notre chef, Bobble. Et avec l'amour que je suis légalement autorisé de donner. Vous savez, j'ai quand même un peu faim. Et alors, je peux quand même avoir faim? Eh bien, pas vraiment, parce que nous n'avons pas besoin de manger, boire ou dormir dans ce monde numérique. Donc la nourriture numérique ici ne procure que la sensation virtuelle de manger, sans aucun désavantage nutritionnel. Bon sang, laisse tomber. Et depuis quand t'es un expert du monde numérique? Expert du quoi?
stylé par contre. Franchement, les gens, moi je dis ça, je dis rien, mais vraiment c'était super stylé. Ouais, j'ai trop kiffé. Par contre, c'était vraiment trop bien. Et apparemment, il y a même une deuxième vidéo, du coup, il y a l'épisode 2. Donc si vous voulez le voir, vraiment, abonnez-vous, likez, on va faire... Alors, je sais que vous allez savoir le faire, mais je veux juste vraiment la voir. C'est pour ça que je vous mets un aussi bas. On va dire 10 likes, voilà. Si vous mettez 10 likes, on fait l'épisode 2, voilà. Bon les amis, j'espère que ça vous aura plu vraiment cette vidéo. J'ai trop hâte de voir l'épisode 2, donc je vous en supplie, likez la vidéo, mettez au moins 10 likes. Je vous en supplie les amis. En tout cas, moi vraiment, la vidéo, je l'ai surkiffée. Genre, vous pouvez pas savoir à quel point c'était vraiment trop bien. Bon, et sur ce, ciao ciao!